Et puis après, l'autre dont vous êtes dépendant, les animaux, l'autre dont vous êtes dépendant, qui enferme dans la dimension animale, vous dit, mais Dieu, là, il n'est pas bon. Mais pourquoi il vous laisse ça? Mais rentrons un peu à nous, honnêtement, avec nous-mêmes. Comprenons-nous, moi, par les compassions du Père, j'essaie de m'écouter maintenant, même la nuit, même quand je suis couché. Parce que comme je suis conscient que celui qui est à l'intérieur ne dort pas, j'essaie de rester attentif. Vous allez voir, même dans vos rêves, il y a des invocations. Quand tu es couché là, ce ne sont d'ailleurs pas des rêves. Vous ne rêvez pas. C'est le prolongement de l'activité de votre esprit quand vous êtes couché. Ce ne sont pas des rêves. Quand tu es couché ici, tu te retrouves la nuit que tu es allé en France. Quand tu te réveilles, pose-toi la question, pourquoi je suis allé en France? Tu vas voir que c'est par convoitise que ton esprit s'est réveillé. Tu n'es pas dans le rêve. Oui, oui. Tu n'es pas dans... On nous a trompé que nous rêvons. Nous ne rêvons pas. C'est le prolongement de l'esprit. Le prolongement de l'activité dans l'esprit. Oui. Qu'est-ce qui se passe alors que de fois tu vois ça la nuit et ça se réalise aussi? Mais parce que tu as été dans l'invocation, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Je prends l'exemple dernièrement, la semaine peut-être se passée, je ne sais pas. Je dormais, je vois comment un camion, on est en train de bénir un camion, donc le camion était en train de bénir les gens, oui. Et les gens criaient. Oui. Les gens criaient et il y a eu 4 morts, c'est comme j'ai suivi dans le rêve. Oui. Je me suis réveillée, j'ai prié aussi comme ça, je suis partie. Après, j'étais en train de me reposer en journée, une fille m'appelle de Mponungo, elle me demande, j'espère que tu n'es pas partie à Ebekam aujourd'hui. Tu es où? Il dit que je suis à la maison. J'espère que tu n'es pas partie à Ebekam. On nous a dit qu'il y a un camion qui a fait l'accident et il y a eu, c'était 4 morts. C'est ça. Et c'est ce qu'elle m'a dit. J'ai dit non, je suis à la maison, je ne suis pas sorti aujourd'hui. Elle me dit ok. C'est là où le rêve revient maintenant. Je dis mais comment le même songe, le même rêve que j'ai eu et quelqu'un m'appelle pour me dire ça. Donc je lâche. Oui, ce n'est pas le rêve. Hein. Je vous dis que, parce que si vous allez voir la définition de rêve, ça veut dire en fait que on vous dit rêve, on dit c'est une hallucination. Ça, c'est rien de ça. Non, vous ne rêvez pas. L'esprit qui est dedans. À l'intérieur de nous. Regardez bien, lorsque le Créateur parle à Nebuchadnezzar, c'était dans la nuit. Bon, et ce que Nebuchadnezzar dit, il dit pendant la nuit, toute l'activité de mon esprit, toute l'activité de mon esprit. Ce qu'on a traduit par les rêves, c'est ce rhum qui fait ça. C'est-à-dire, ce sont les sociétés occidentales pour noyer davantage les gens dans l'ignorance. On vous dit le rêve. Ça veut dire, c'est le rêve. Mais vous êtes dans une activité réelle. Ça veut dire que l'esprit qui est en nous, sœur Suzanne, cet esprit, il doit fonctionner, mais soit à partir de ce que le Créateur lui donne comme faculté, il te donne dans son regard les événements qui vont se produire. Ça, c'est une chose. Ou alors, il fonctionne par l'autre. Mais l'autre aussi, c'est les événements qui vont se produire. Il le sait très bien. Et il te les montre à l'avance. Donc, c'est ce que les gens disent souvent, Dieu m'a parlé, mais quel Dieu? Mais si Dieu te parle, il va te changer. Je ne sais pas, vous comprenez, hein? Parce que quand on dit, Dieu me parle, c'est-à-dire qu'il te parle, quand je te parle, il te donne ce qu'il est. C'est pour te transformer, le Créateur. Il vient te changer. Il vient te conférer sa personnalité. Tu ne peux pas rencontrer le Créateur et demeurer la même personne. Je parle d'esprit, hein, pas de corps. Donc, l'esprit qui est en nous, il est monté par des forces qui sont en haut. Soit le Créateur ou l'autre. Mais l'autre, si c'est ce qui va se produire demain.
Des fois même c'est organisé par lui. Ou même très souvent. Donc, mais bien sûr. Mais bien sûr. Quand un accident se produit sur la route de Douala, si toi tu le sais maintenant, tu penses que les forces spirituelles ne savent pas bien avant. Derrière, ils sont même derrière. On peut te l'avertir. C'est pour ça que le marabout peut te dire que, écoute, là, dans la route, tu vas rencontrer un accident. Quand tu vas rencontrer, tu dis, le marabout, là, il est voyant. Mais il est en contact avec les démons. C'est ça, les démons qui lui donnent le regard. Donc, vous ne rêvez pas. C'est le prolongement de l'activité. Que le Père nous aide à comprendre ce qu'il y a en nous, là. Une forteresse, ce que le Créateur a doté, ce dont le Créateur a doté l'homme. On nous a trompé que la richesse, c'est ailleurs. Mais la richesse, c'est en vous, là. Vous, c'est là. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. C'est là. Mais quelle méchanceté. On nous a dit la richesse est ailleurs. On court pour aller chercher la richesse ailleurs. Vous imaginez quelle folie. Frère Bélange, on vient te garder tout dans ta chambre. Mais tu te fatigues à aller courir tous les jours. Je ne sais pas si tu comprends ça, mon frère. Pour te rendre compte après que tu as tout laissé là. C'est là. Cette richesse-là, elle doit faire partie de vous. Elle vient du Créateur. Voici mon fils, oui. Oh, parce qu'il montre que quelqu'un est connecté à la sphère créatrice. Donc, c'est que même s'il voit des rêves, c'est-à-dire, et qu'il ne manifeste pas les caractères qui viennent de notre Père, c'est qu'il est, et qu'il n'est pas donc connecté. Non, c'est que c'est un autre qui agit. Être connecté, on dit bien c'est l'esprit qui est doté des qualités du Créateur. Mais écoutez bien, mais tu deviens la force agissante, transformation de ta personnalité. Même un morceau de bois là, si le Créateur met ses vertus ici, ça change. On découvre cette force là, on découvre cette puissance, combien elle est. On se découvre. J'ai dit, en fait, je suis rendu compte en réalité, c'est qu'il nous retarde simplement parce que nous ne sommes pas, ça ne veut pas que nous sommes. C'est ça. Et c'est là que joue Satan. Entretenir au fond de nous le brouille pour que nous ne sachions pas qui nous sommes. Et que ce soit lui qui vient te tromper pour te montrer qui tu es. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne te définis pas à partir de toi à l'intérieur, tu te définis à partir de l'extérieur. Ah oui, mais bien sûr, tu vois quelqu'un bien habillé, tu regardes, tu commences à regarder à partir de pieds. C'est que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. On te dit il faut être taillé comme ça. Il faut être taillé, il faut être comme si, comme ça, c'est ça la voix. Tu ne sais pas qui tu es. Le vrai toi, c'est dans le Créateur. Le vrai toi. Le vrai. Et ça va faire sauter le monde. Je vous dis, ça fait sauter le monde. Parce que l'esprit qui est en nous doit être combiné à la force suprême. Et ce que ça devient, comme disait un anthropologue américain il y a 2 mois, il dit que les terroristes, leur arme, c'est l'idéologie. Il dit que l'idéologie est plus puissante que les bombes. C'est comme ça. Mais que le Père, c'est la supplication, mais qu'il nous sorte de l'inconscient, de la mort. Vraiment de cet inconscient dans lequel on a été plongé, c'est ça la misère. Cet inconscient. Tout est dans le Messie pour notre succès, pour notre domination. Lorsque le Père, le Créateur, est venu lier son sort à celui de son peuple en Égypte, imaginez bien, l'Égypte était réputée comme la première puissance du monde, la plus grande puissance. Mais quand le Créateur est venu lier son sort à son peuple, qu'est-ce qui a retenu le peuple? Si le Créateur vient te doter de cette faculté, qu'est-ce qui peut te retenir dans la vie? Mais rien, rien. C'est ça dont nous avons besoin. Non seulement toi, mais le peuple va sortir. On a là, à partir de ce moment, des vraies forces de prière. Je vais terminer pour vous laisser le temps de poser les questions. Je reviens sur ce qui est dit dans la Genèse au sujet de l'homme. Où il est dit que le serpent, qui est Satan,
qui fait partie des composants de l'univers, mais non tiré de l'univers. Selon l'organisation de l'univers, lui vient, il est extérieur à l'univers, mais il fait partie de l'univers. Donc ce qui fait de lui la force principale de l'univers, lorsque l'esprit de l'homme est en dehors de ses potentialités. Mais quand l'homme, l'esprit de l'homme rentre dans ses potentialités, Satan n'est plus la force principale de l'univers. L'ordre des choses change. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça qu'en réalité, on nous aliène. Je veux dire que l'ordre, le pouvoir dans le monde, ça change. C'est pour ça que vous voyez bien à l'époque des apôtres. Parce que les apôtres étaient dotés des facultés émanant du Créateur, dotés, habités de la force du Créateur dans le Messie. Qu'est-ce qui était dit à l'époque? Ils troublaient l'ordre public. L'ordre public, vous savez ce que c'est? Donc, ces gens-là sont dépositaires d'une force capable de renverser l'ordre des choses. Il faut les éliminer. Donc c'est l'ordre cosmique qui change. L'ordre cosmique qui change. Parce que ce dont le Créateur dote ses enfants, ça contrôle, c'est-à-dire ça a un impact sur l'univers tout entier. Si vous voyez clairement actuellement, il y a l'ébranlement des puissances de ceux. C'est-à-dire que nous sommes là, dans l'avant-goût, dans les prémices durant le rétablissement de l'ordre mondial. Les saisons ne sont plus les mêmes. Ça veut dire que les forces qui canalisaient, qui contrôlaient les choses ici, on sent clairement qu'elles sont en ébranle. Le pouvoir change demain. Mais le Créateur change de pouvoir dans l'univers par l'homme. Mes frères, ce ne sont pas les anges comme on nous a trompés. Ce sont les hommes que le Père nous aide à sortir de penser que nous, ce qui est bien, c'est de manger. C'est de boire. Que nous sortions de cette dimension animale, c'est la malédiction. Notre héritage, c'est le pouvoir. Donc, les choses sont organisées comme ça. Et on dit, le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs. Parmi les animaux, il y avait l'homme. C'est quoi un animal? C'est un être vivant qui fonctionne à partir de facultés absolument limitées. C'est ça l'animal. Il fonctionne par instinct. Vous voyez bien. C'est pour ça que dans la catégorie des animaux, l'homme c'est un animal supérieur. Parce que quand il est hors de ses potentialités, lui il a un esprit en lui. Donc cela lui permet de pouvoir prétendre aux facultés qui le rendent supérieur aux animaux. Mais comme Satan fait partie du même univers, lui, il a des facultés supérieures à celles de l'homme, c'est lui qui est le chef. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est ce que le Père nous montre. Donc ça veut dire que l'univers est organisé comme ça. L'homme, il doit être la réplique du Créateur. Mais à partir de ça, au moment où il est là, il était en deçà de ses facultés. Donc Satan était supérieur à lui. C'est pour ça qu'il était facile que Satan le trompe. C'est-à-dire que Satan vient lui présenter son propre intérêt, Satan. Au détriment de l'intérêt de l'homme, il est réussi à le tromper. C'est comme ça même que les accords internationaux, imaginez bien, vous avez des animaux comme gouvernants, totalement animaux, totalement aux facultés limitées, mais vous avez des principautés cosmiques, ont des liens avec Satan. Vous êtes assis sur la même tarentelle de négocier des accords internationaux. En face de vous, vous avez des individus qui fonctionnent à partir des facultés supérieures. Ils vous trompent par les mêmes mots que vous utilisez, et ils ont une autre compréhension et vous amènent à signer des mauvais accords. C'est exactement comme ça, même le mot de gouvernement dans le monde. Tu dis amour, il te dit oui, mais Dieu nous parle d'amour, mais lui il a une compréhension de l'amour, il va jamais laisser. Mais bien sûr, après il va t'expliquer que non, moi je n'ai pas la même compréhension de l'amour. Tu comprends? C'est comme ça. Tu dis, mais n'est-ce pas que nous sommes entendus que c'est par amour que nous l'ayons? Il te dit oui, mais nous n'avons pas la même compréhension. Il commence à t'expliquer comment lui comprend l'amour. Bien sûr. Tu as bien signé? Oui. Moi, je disais que, qu'est-ce qu'il fait? Parce que quand vous nous expliquez là, je vois un peu ma vie. Je regarde les gens dans moi. Oui. Parce que je prends tout sur moi. Oui. Donc, je dis que quand je suis vraiment seul, j'ai l'ardent désir oui. de rencontrer le Père. C'est ça. Même dans la prière, je m'enferme souvent des jours, oui. parfois pour chercher la volonté du oui. Père. Non, mais pourquoi? Quand j'ai prié, j'ai dit au Père que vraiment, je voudrais que tout le périssable là, que je ne puisse plus mettre l'œil sur ça. Oui, oui. Et quand je sors là, je me rends compte que quand il n'y avait pas un moteur, s'il y a une belle voiture qui passe, je regarde. Parfois, une belle maison, je fais comme ça, mais la maison, c'est jolie. Hein. Je me rends toujours compte en train d'apprécier. C'est que ce n'est pas toi qui regarde. Il y a un autre en toi.
il y a un autre endroit. Comment tu fais pour le déloger? Et c'est lui qui est derrière la voiture. Donc c'est lui qui se regarde. C'est pas toi qui regarde. Le problème, c'est que tu penses que c'est toi qui regarde. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'était, en fait, on parle de l'homme extérieur en nous. L'homme extérieur en nous. Cet homme extérieur, c'est Satan. Il est derrière les éléments du monde. Hein. Et puis, c'est lui qui est en nous. Et c'est lui-même qui s'attire vers lui-même. Parce qu'il faut bien comprendre que si on enlève l'énergie qui est dans l'univers, la matière elle-même ne peut pas vous intéresser. Elle-même. Vous comprenez? Parce qu'en fait, il y a une attraction, un principe d'attraction. Voilà. Il y a un aimant. C'est ça qui se passe. Donc, ce qui fait que lorsque les facultés du Créateur, c'est vous, c'est lui qui est en vous, il vous donne de ses facultés, puisque ce n'est lui ne peut pas se reconnaître dans l'énergie qui est là. C'est là où il y a un détachement total. Vous voyez, si on est attiré par le monde, c'est que la même énergie en nous, c'est elle qui s'attire. C'est comme ça. Quand on dit sortez du monde, ce n'est pas des maisons, on parle de l'énergie qui est dans le monde, qui gouverne le monde. Cette compréhension, cette fausse compréhension des choses, c'est de ça qui est la question. Je veux que vous compreniez ce niveau pour vous afficher. C'est qu'en fait, on ne doit pas arriver au niveau où il faut qu'on te crève les yeux pour que tu ne vois pas la maison. C'est ça. La maison est toujours là. C'est ça. Les belles voitures seront toujours là jusqu'à ce qu'on se désintègre. Mais ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que au fur et à mesure que ton désir, c'est de retourner à la source, ça fait en sorte que même si cette interférence ou cette sujection de la belle maison te traverse, tu ne coopères plus avec. Exactement. C'est de ça qu'il est question. C'est ça. Tu ne coopères plus que je. Il a dit tout à l'heure, quelqu'un s'habille. Il y avait un langage qu'on utilise, on dit je t'attrape au pied. C'est ça. Tu vois. Mais tu n'as plus besoin de dire tu l'attrapes au pied. Tu n'as pas besoin. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vois pas qu'il a une belle chaussure. Tu vois la chaussure. Tu vois la maison. Tu vois la voiture. Tu vois. Mais lui, le frère, lui qui vient de l'Europe là, mais lui voit toutes les voitures tous les jours. Donc ça veut dire qu'il va fermer ses yeux maintenant pour marcher dans la maison. Et même si tu fermes les yeux, mais ça nous a dit qu'il y a les yeux du cœur. Mais ça nous. Donc c'est effectivement cela. Donc il faut arriver à une dimension où c'est celui qui descend en nous le Père, qui attire. C'est lui. C'est pas voyez bien. C'est lui qui doit exercer l'attraction sur les éléments de la création. Ce n'est pas l'énergie qui est dans la création. Qui doit exercer l'attraction. C'est une attraction. Je parlais vraiment c'est que ma vie. Hein. Oui, non, on comprend très bien. On comprend. Mais c'est que tu vis, hein, tout le monde que le vit. Mais frère, dis-lui que même quand on va atteindre la statue du Messie Yeshua, si on est dans cette biosphère terrestre-là, avec les immeubles, on va toujours les voir. Voilà. Le Messie est sorti, on a dit, est-ce que tu vois les immeubles? Il a dit, mais ça va se détruire. Mais en disant, il n'a pas fermé les yeux, il a vu l'immeuble. Il a vu. Mais c'est que ça n'a pas d'attraction sur lui. C'est ça la différence. Lui, cette énergie-là ne communique plus avec son énergie. Donc c'est ça. Donc quand on parle donc. Il a dit pas. Moi j'y comprends. Donc en fait, c'est là aussi qu'il faut utiliser vraiment la violence, mon frère. En fait, c'est la violence. Le problème, c'est les facultés qui sont en nous, hein, à l'intérieur. C'est ça. C'est-à-dire que si on est en dehors de ces facultés, c'est impossible. C'est impossible. Parce qu'on fonctionne même à partir des facultés de l'autre qui nous attire vers lui. Voilà. Donc en fait, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Quand on parle donc, dans la Genèse, on dit que le serpent était l'animal le plus rusé lui-même. Vous comprenez bien, il était un animal. Mais simplement un animal supérieur. Doté de facultés supérieures par rapport aux autres espèces animales. Parmi les autres espèces animales, il y a l'homme, il y a les végétaux, il y a les animaux purement animaux. Mais lui, il est au-dessus, parce qu'il a des facultés qui le placent au-dessus, dont il est le chef. C'est là où on parle donc du règne animal, végétal et humain, dont Satan est le chef. Le Messie vient donc nous sortir de ce règne-là. C'est-à-dire que le Créateur vous dote des facultés supérieures à celles de Satan et des autres animaux, donc toi tu rentres dans le règne du Créateur. Quand le Messie dit mon royaume n'est pas de ce monde, dit, mon chef c'est pas Satan. Vous voyez bien, donc c'est ça le vrai juif. Ça veut dire que les facultés à partir desquelles ton esprit fonctionne viennent du Créateur. Donc ton règne c'est celui du Créateur. Ton chef c'est le Messie. Ton règne c'est le Messie. Ton roi c'est le Messie. Donc tu sors du règne animal. Tu deviens donc un instrument par lequel le Créateur commence à régir ici. Ramener les choses à l'ordre. C'est lui-même le Créateur. C'est lui qui s'introduit à travers une portion de lui qu'il donne à son peuple. C'est lui. Il ne vous envoie pas à distance, mais il vient. Par cette faculté dont vous êtes. C'est pour ça que le Messie disait, je suis dans mon Père est en moi. Donc vous n'invoquez pas un Dieu qui a des années, lui est éloigné. Vous comprenez ça? Il est en vous. Vous êtes en... De la même manière que Satan est dans les humains, il n'est pas ailleurs. Et à partir des humains qu'il établit le lien d'attraction,
Et le créateur ici, c'est la, ça la personne. Mais imaginez donc, c'est le créateur qui est le champ magnétique suprême. La force suprême. Est-ce que c'est la création qui exerce l'attraction sur lui ou c'est le créateur qui exerce l'attraction? C'est lui. C'est-à-dire que ce n'est pas le créateur qui peut contempler la création. C'est lui qui est contemplé. Donc normalement, il faut que le mouvement inverse soit produit. Quelqu'un qui s'est contemplé dans les voitures, dans les maisons, dans les diplômes, dans les choses de la terre, dans le lien avec Satan, il faut qu'il comprenne que sa vraie identité, c'est dans le créateur qui apparaît au travers de Blaise de Bélanger. Et en ce moment-là, même, on ne parle plus de belles maisons. Mais non. Belle paire de chaussures, parce que la beauté, c'est... Elle est renvoyée. Je comprends maintenant pourquoi même les os se disposaient. C'est comme ça. Ça veut dire que le pouvoir du Créateur devient réel. Nous n'allons plus nous tromper en disant nous sommes dans le monde, en étant gouvernés par Satan, on est dans le monde. Le pouvoir du Créateur, le pouvoir du Messie sur la création devient réel, visible. Et même cette dimension se complète. Elle doit être recherchée. C'est elle que le Créateur dit à son peuple, recherche-moi, recherchez votre identité. Comme les nations, c'est plus à chercher leur élargissement. Recherche-moi, parce que c'est là le pouvoir. Il dit, celui qui me trouve, il a trouvé un bonheur supérieur à l'or et l'argent. C'est ça le travail. C'est ça la véritable activité de prière. On ne peut pas rentrer dans cette dimension et être oisif. Parce que c'est une dimension qui libère toute la vie. Vous ne la recherchez pas seulement pour vous, mais pour la libération. Donc, nous sommes faits pour être des êtres spirituels. Je dis bien des êtres spirituels. Ça veut dire que des êtres qui fonctionnent à partir des facultés du Créateur dans son Messie. Ce ne sont pas des êtres qui fonctionnent à partir des sens naturels ou bien des facultés que Satan donne. Mais des facultés que le Créateur donne. Est-ce que nous pouvons être un peuple comme ça et que réellement il n'y ait pas des ondes positives des... Qu'est-ce que ça dégage? Une force qui commence à vouloir menacer de faire sauter tout. Je vous laisse, si vous avez des questions. Je voulais poser une question par rapport à Satan. On dit dans la Bible qu'il a été créé dans, parmi les topaz, saphirs, tout. Et puis, tu parles de qu'il est dans cet espace content. Bon, est-ce que quand le Père le créait, il était dans cet espace? Ou alors, pourquoi on dit donc qu'il est descendu? C'est ça. C'est, vous comprenez bien la question de Frère Delano? C'est que quand le Père le créait, il n'était pas dans cet espace. Il est rentré dans cet espace lorsque son identité a été pervertie. Il ne pouvait plus se trouver à la proximité du Créateur. C'est pour ça que vous voyez bien, quand ce sont ses qualités en nous, c'est la lourdeur. Lui-même ne peut plus rien manifester de ce qui est du Créateur. Parce que c'est ça depuis, tu vois, depuis vendredi, je veux comprendre. C'est ça. Quand je regarde le chemin, c'est ça. Quelque chose m'échappe sur le chemin. Exactement. Parce que même dans le fond, parce que c'est la dégringolade. Hein. Il a dégringolé là, mais après il doit dégringoler sur la terre et puis après. Vous savez. Oui. Dans la suite de la question du frère, parce que j'étais dans la même lancée là. Oui. Quand on dit que Satan, il est au ciel et on l'a propulsé sur la terre, ça veut dire que la guerre qui a commencé là, c'est la même guerre qui continue dans notre espace. Oui, bien sûr. Parce qu'il soit confondu. Oui, bien entendu. Bien entendu, si vous voulez. Donc, on quand on parle de la guerre, c'est dans l'Apocalypse. C'est bien des choses relatives au temps, à la fin du cycle. Bon, ça veut dire que là, il est précipité en dehors de là, il descend là. Donc, nous attendons le règne de Satan, c'est-à-dire sous un personnage humain. Nouvel ordre mondial. Donc, c'est bien de ça qu'il est question. Il vient prendre position là. Mais qu'est-ce qui lui fait prendre position? Parce que les êtres programmés se sont réveillés. Et ils sont rentrés dans leur potentialité. Ils comprennent clairement qu'il y a danger. Donc il faut dire, attention, vous arrêtez, c'est moi qui ai Dieu. Il n'y a pas une autre. Vous voyez bien. Donc on rentre dans la persécution. De manière ouverte. Donc c'est ça. Et c'est ça qui va aboutir à l'effacement total de son et puis l'avènement du règne du Messie. Nous disons, quand on parle du règne, de la fin du règne de Satan, ça veut dire que c'est la destruction de ce système de programmation des individus. Retour. Nous disons bien que l'État, derrière,
fonctionne à partir des êtres programmés. Mais si ces individus-là sont déprogrammés, est-ce qu'il y a l'État encore? Non. C'est ça. Donc vers ça que nous sommes en train de... Qu'est-ce que vous voyez actuellement, le langage terroriste, le reste, on parle bien de cette perception, cette vision de l'identité réelle de l'homme. Et plus elle va se répandre, c'est-à-dire qu'elle menace la destruction de ce qu'on appelle l'État. Donc on parle bien de terrorisme, menace la démocratie. Vous comprenez que ça ne parle pas des petits individus qui sont manipulés pour aller. On parle bien de cette nouvelle vision, cette vision réelle de l'homme. Donc que le Père permette qu'on se réveille, qu'on essaye, qu'on arrête de se regarder comme des damnés, comme des êtres sans force. Et pourtant tout a été rendu disponible. Tout a été rendu disponible, tout. Mais il y a la force dans l'air. Elle cherche où s'appuyer. Tout comme il y a la mauvaise énergie dans l'air, comme parlait le frère Bélanger, elle cherche sur qui s'appuyer, comme le Créateur disait à Caïn, le péché se balade, il cherche à s'appuyer sur toi. Mais toi, si tu lèves le regard, tu vas le vaincre. Mais il y a de la force dans l'air. Mais le problème, c'est que notre esprit est isolé ailleurs. C'est que cette force-là, cette potentialité, veulent s'appuyer sur notre esprit. Mais notre esprit est orienté ailleurs par d'autres soucis, inquiétudes, d'autres invocations. C'est ça le problème. Si quelqu'un veut te mettre la nourriture dans le plat, tu tournes ton plat. Tu vas la mettre où? La même que la mère. Il n'y a pas de question. Oui. Et je propose. Hein. Oui. Je souhaiterais que tu nous parles un peu de la double identité. Le schéma que tu as dit. Oui. C'est peut-être. Oui. Oui. Mais en fait, ce qu'on appelle ici double identité de l'univers. C'est-à-dire que ça se réfère même à la, on peut dire, la double identité de l'homme. Ou bien à la manière dont l'humain est structuré. Bon, regardons bien que. Lorsque vous revenez sur le premier schéma, c'est-à-dire parlant de la structure de l'homme, je reviens là, parce que l'humain est structuré exactement comme l'univers. Ou alors l'univers est structuré exactement comme l'humain. Voilà. Donc vous voyez bien ici, il y a une dimension multiple. Il y a l'homme intérieur, qui est composé de l'esprit, et l'âme. Donc, mais c'est l'homme intérieur, parce qu'ils sont un, chacun avec sa fonction. Il y a l'homme extérieur. Bon, normalement, pour le Créateur, et même pour Satan lui-même, quand on dit l'homme, ce n'est pas celui-là. On parle de celui-ci. Bon, maintenant, celui-là ne se rend visible là, dans cet espace qu'à partir de ce corps. Mais quand tu es naïf, quand on dit l'homme, la plupart des gens, ils voient celui-là. Et non celui-ci. C'est pour ça que nos soucis ne concernent que celui-là. Et non celui-ci. Donc vous voyez très bien. Je dis, je vais réussir. Toujours on parle de celui-là. Et non celui-ci. Donc ça montre combien on nous a trompés. Totalement. Voilà. Donc l'homme, c'est celui-là. Les caractéristiques que j'extériorise, caractéristiques, haine, méchanceté, ce n'est pas celui-là qui les porte. C'est celui-ci. Mais ça s'exprime là. Si je suis habité de caractéristiques, intelligence, une large vision des choses, ce n'est pas celui-là, c'est celui-ci. Mais celui-ci permet simplement que ce qui est là soit observé au niveau physique. Je sais pas, si vous voyez très bien. Donc finalement, quand on parle de l'homme, c'est celui-là. Bon, et non celui-là. Revenez donc maintenant dans la structure de l'univers pour voir, pour que vous voyez bien la similitude qui est derrière. C'est que dans la structure de l'univers, l'univers aussi est multidimensionnel. Vous avez la sphère matérielle et la sphère spirituelle. Mais l'identité de l'univers, c'est-à-dire qui s'exprime, l'identité qui s'exprime à travers tout ce que nous voyons vient de l'esprit. Vous voyez bien, et non de composants matériels. Donc pour le Messie, regardez bien, quand le Messie dit, Père, comme j'ai été dans l'univers ou dans le monde, sans être du monde. Ce que le Messie veut dire, c'est que Père, il est des corps ici, mais d'esprit, d'identité, il n'est pas de cet univers. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'a pas l'identité, la conscience de celui-ci. Il ne voit pas par celui-ci. Il ne désire pas par celui-ci. Son identité vient de son Père en haut. Donc, il est dans l'univers du corps, mais
dans l'univers, selon l'univers, l'identité de l'univers, ce n'est pas son identité. Son identité est en haut. Donc quand on dit sortez de l'univers, on dit sortez de la conscience de l'univers. Cette conscience de l'univers, c'est Satan. Et c'est cette conscience qui gouverne, comme nous avons dit, les végétaux, c'est cette conscience qui gouverne les animaux. Si vous voyez les animaux s'entretuent entre eux, si vous enlevez Satan, vous n'avez plus cela. C'est cette conscience qui est derrière l'organisation étatique du monde, le système structurel, c'est elle qui dirige les commerces, c'est elle qui dirige la politique, c'est elle qui dirige les... C'est cette conscience-là. Si vous l'enlevez, est-ce que vous avez encore tout ça? Non. Tout cela s'arrête. Donc la véritable identité de l'univers, donc c'est celui-ci, et non le composant matériel. Et c'est pour ça qu'il y a Galilée qui le disait, il dit, les mathématiques, c'est le langage de la nature. Les Galilées savent que quand on parle de la nature, on ne parle pas de l'environnement, on parle de l'esprit. Donc, à partir de là, vous voyez une similitude entre l'homme et l'univers. Si vous avez compris l'homme, comment il est structuré, vous avez compris l'univers. Vous voyez? C'est ça. Donc, pour le Créateur, quand il parle de l'univers, il parle bien de cet esprit. Quand il parle de l'homme, il parle de l'esprit. Le projet du Créateur, ce n'est pas pour le corps, c'est pour l'esprit qui est à l'intérieur. Mais le problème, c'est que nous, on a donné une autre compréhension. Donc, ça fait que on est totalement en conflit d'intérêt avec nous, parce que nous n'avons pas le même langage. Nous ne comprenons pas la même chose. Donc, et on peut revenir donc là sur l'identité même des nations. Quand on parle du Cameroun, écoutez bien, on parle du Cameroun. Il ne faut pas d'abord voir les populations. Il faut voir l'esprit qui s'appuie sur les populations. C'est ça l'identité réelle du Cameroun. C'est ça le réel état camerounais. Si vous enlevez cet esprit-là, cet esprit qui fonctionne là, est-ce que vous l'avez encore au Cameroun? Non. On appelle ici le Grand Cameroun. C'est ça. Donc une nation d'abord c'est un esprit. Tant que vous pensez par cet esprit, vous êtes le Cameroun, vous êtes le monde, vous êtes l'univers. Donc lorsque nous sortons de ce nouveau moment, nous sortons déjà, nous portons en nous les germes de cet univers-là, cet esprit. Et quand nous grandissons à travers les différents cycles d'éducation, c'est pour épouser cet esprit. Donc nous devenons le monde. Et c'est de ce monde qu'il faut sortir. C'est ça l'identité mystérieuse de l'univers. Mais celui qui est doté des qualités du Créateur le comprend clairement. Il ne fait pas de confusion avec cela. Il le comprend. Et maintenant, c'est cette identité de l'univers dont Satan en nous que le Messie vient crucifier. C'est cette identité. C'est ça qui nous dit. C'est ça qui nous prive d'être dans nos potentialités. Quand elle est crucifiée, lorsque le Messie il avait été constaté que tout son sang a été vidé de son corps, l'esprit était rentré dans la force. L'esprit est libéré, c'est ça qui apprisonne l'esprit. Il le maintient hors de ses facultés. Plus, l'esprit devient comme une poule, très puissant, ou un aigle, très puissant. Mais vous mettez la corde sur son pied, vous attachez sur une table comme ça. L'aigle veut soulever, s'est soulevé, la corde fait comment? Elle ramène vers le bas. Mais si vous coupez la corde, vous allez voir combien l'oiseau est puissant. C'est exactement comme ça. Lorsque vous détruisez cette mauvaise conscience, fausse conscience, qui nous tire vers le bas, mais c'est tout. Et c'est là où on dit donc, quand vous mourrez, vous rentrez dans la puissance. Mais je termine un élément que je partageais ce matin avec Franck par rapport à ce que nous disons qu'on dort. On dort, ou on nous a trompé qu'on dort. Parce qu'il faut comprendre que ce qui étouffe l'esprit, c'est l'activité de notre chair. Le désir de notre chair, c'est ça qui étouffe l'esprit. Vous comprenez bien? C'est pour ça que lorsque vous allez vous coucher sur le lit et que vos passions sont un peu en sommeil, l'esprit rentre dans une activité terrible, même dans le lien avec Satan. Hein. C'est pour ça que vous pouvez vous retrouver, je suis aux États-Unis, je suis ici, je suis cela, parce qu'en réalité, rien ne l'alourdit plus beaucoup. Il s'élève. Parce que pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Les passions dorment. Oui. Ils ne sont pas morts, hein. Ils baissent un peu. Et l'esprit rentre dans la force. Même les sorciers, c'est là où on dit très souvent la sorcellerie, c'est fait surtout, je veux dire, par rapport à la manière dont on nous expliquait la sorcellerie autrefois, hein, ça se fait la nuit. Parce que c'est le moment où le corps dort. L'esprit.
C'est là où aussi la haine s'accumule avec force la nuit pour se déployer le matin. Même les passions encore. Vous accumulez l'énergie. Parce que vous voyez bien les individus, ils accumulent l'énergie la nuit. Quand ils sortent le matin, ils doivent la dépenser. Mais ils l'ont accusé où la nuit? Parce que le jour, pendant que les passions se nourrissent, c'est vrai que ça affaiblit l'autre. Mais il faut qu'il s'alimente, cette batterie. Comme nous avons nos téléphones. Quand ils fonctionnent, dès que le téléphone est éteint, quand tu charges la batterie, ça se charge rapidement. Mais tu veux le charger, recharger pendant qu'il fonctionne. Tu vois clairement qu'il y a un problème. Vous voyez? Donc, lorsque vous allez vous coucher, que les passions se reposent, dorment, se sentent naturelles, même un chien, quand il dort, vous voyez clairement que même un chien, son instinct, il est très actif. Quand il dort. Et n'en parlons plus. Lorsque l'esprit rentre dans ses potentialités, rentre dans ses potentialités réelles, dans le Créateur, plus le corps, les passions du corps. Là, nous rentrons dans la mort réelle des passions du corps. Mais l'esprit atteint l'apogée de sa puissance. Vous voyez bien, parce que les passions, c'est un contrepoids. Une énergie contraire. Mais quand ces passions sont mortes, on dit bien, quand vous mourrez, vous ressuscitez, vous rentrez dans la force et la puissance. Mes frères, c'est ça la vraie construction de l'homme. C'est cela. C'est ça la vraie construction de l'homme. Nous participons en ce moment-là à bâtir l'homme. On devient en ce moment-là des co-créateurs. Parce que nous participons à créer l'homme. Parce que c'est la création de l'homme.